Salut à tous et à toutes, vous êtes avec Darkhan62 et aujourd'hui nous allons jouer dans une map horreur que j'ai intitulée Maisie. Tout simplement nous allons devoir retrouver notre chemin dans ce labyrinthe. Une carte. Alors. Au pire, on fera au feeling. On m'a dit qu'on pouvait laisser des traces sur les murs. Ce qui, je pense, va bien nous aider pour. Oh non, j'aime pas. Ouais. Ce qui va nous aider, je pense, pour. Ne pas repasser toujours au même endroit. Ouais. Donc, il faut appuyer sur le clic gauche de la souris. J'ai l'impression de laguer un peu. Je suis désolé. Bon, j'ai essayé de laisser une trace, mais ça n'a pas fonctionné cette fois. Alors, Ouais. Dès le début, quoi. Là, je vais faire attention. Alors, ça je savais. Et pour la map. Par contre, je voudrais vous dire que si vous aimez pas trop mes vidéos ou quoi, je sais pas, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire qu'est-ce que je pourrais améliorer. Voilà. Et quel jeu d'horreur vous voudriez que je teste? Mais je vous préviens, je ferai pas que des jeux d'horreur, je jouerai aussi un peu à Minecraft. En survie et en créatif, je sais pas, je verrai. Ah, je verrai. Alors. C'est quoi ce bruit là? Ah, c'est crade. Ah, j'aime pas. Ouais. Ah, j'aime pas les doubles chemins. Passe par où? La map. Alors, je crois qu'on est parti à droite tout à l'heure. On va monter là tout de suite. Allez. À chaque fois dans le jeu, ils sont toujours obligés de mettre le minimum de luminosité. Ça craint. On tourne là ou pas? Ouais. Réponse. Je crois qu'il va être un cul-de-sac. Non? Ah si. Bon bref. Et puis ces gouttes d'eau là qui n'arrêtent pas de tomber, ça me saoule. Ok. Non, pas le 4. 7. Je vous préviens d'avance, on m'avait dit un peu le code. Puis là, j'ai du mal à appuyer sur les touches. Voilà, donc, faut que je recommence. 7. 3. Zéro. Allez. Oh purée, le mur il bouge. J'hésite à aller dedans en fait. Je veux dire, il y a encore un truc qui va me sauter à la tronche. Alors.
Votre manager. Purée, elle va m'énerver. Elle. Ah purée, ouais. C'est quoi ça? Pourquoi il y a une trace en lumière? J'ai pas encore cliqué. Ah, peut-être sans faire exprès. Bref. C'est quoi ça? Donc si je comprends bien, il va falloir que je trouve du papier toilette chinois. Alors un AM, Omega à l'envers, un H. Bah je crois que j'ai mémorisé. Faut trouver le papier toilette chinois. C'est le colonel moutarde. Alors, il n'y a pas non plus les longs couloirs. Ça me stresse. Maintenant, à chaque fois, je vais croire qu'il y a un truc qui m'attend au bout des couloirs. Ça va être assez chiant. En fait, je sais pas si je suis revenu en arrière ou pas, là. Allez, mets une trace. Bon, tant pis. Ah, bah, c'est vrai. Comme par hasard. Bon, allez, on va à droite. À gauche. Les tout petits murs, là, j'aime pas non plus. Alors, à gauche. Aussi, on m'a. Paul Gelor, on m'a aussi parlé d'un. Je sais pas, d'une petite chose qui se bat là devant vous et qui traverse le mur. On m'a dit que c'était assez. Impressionnant. Donc on verra bien. J'aime pas quand ça clignote. Oh non. Oh, c'est crade. On prend lequel? Gauche ou droite? Tout à l'heure. Bon, on continue sur notre lancée à droite. On va mettre une petite trace. Tout voilà. Alors. Purée, tout se ressemble ici. J'ai presque l'impression de tourner en rond. Et j'aime pas trop ça. Ah, purée, non. Je déconseille fort. Un mur. Ouais, je déconseille fortement aux glostrophobes. Enfin, je crois qu'on dit comme ça. Hein? Oh non. Je crois que je tournais vraiment en rond. Bon. Tant pis. On va essayer de passer. Non. Je dois passer par là. Enfin, je pense. C'est dans ce moment-là qu'on repère. Purée, ça bug. C'est dans ce moment-là qu'on repère l'utilité des marques sur les murs. Le petit inconvénient, c'est que on ne peut pas toujours les mettre. Alors. Mais non, je suis déjà passé par là aussi. Bon, pas grave. En fait, je crois que c'est de là que je venais avec la petite fille et le papier toilette chinois. Mais c'est quoi ces marques de sang à terre, sérieux? Encore une petite fille qui a ses règles. C'est chcragnagna. Purée, je déteste le cul-de-sac. Voilà, on va mettre une trace. Ils sont bizarres quand même les murs. Ah non, oh, j'ai cru que c'était une grande salle. Bon, depuis tout à l'heure on tourne à droite. Bon, cette fois on va tourner à gauche. Purée, c'est tout noir. On tourne sans sac du sac. Tac. Non, j'aime pas, ça a l'air d'être une grande pièce.
justement, on est déjà passé par là. On va faire ça. Au moins, je serai sûr. Allez, laisse-moi. Ah, ouais. Je sais pas pourquoi, mais le jeu il rame un peu. Enfin, j'ai l'impression. Ou c'est moi qui a du mal. On va passer par là. Tant pis pour les trains. Oh non! Marche arrière. Gauche. Tout droit. J'espère que c'est pas un cul-de-sac non plus. Alors. On va continuer tout. Tout droit ou. Non, c'est l'air d'être un cul-de-sac ici. Ou une grande pièce. Oh, j'aime pas. Non, marche arrière. Elle est bizarre celle-là. Bref. On va. Non, pas dans ce coin-là, j'aime pas trop. Je vais faire continuer tout droit. Alors. Par contre, je vous le dis, la vidéo ne pourra pas durer extrêmement longtemps. Car. T'étais quoi? Hein? Ah non, c'était quoi, attends? Oh, dégueu. Tout nu. Mais il passe. Eh, il est passé où? Long chemin. Ouais, il me foutu les boules. Je rêve pas, il était tout nu. Non. Ah, c'était peut-être ça la petite bête là qui passe à travers les murs. Ah, Berk. Bon, bref. Ouais, je vous disais parce que sur YouTube, quand on est nouveau, on a un laps de temps assez court, de un quart d'heure pour nos vidéos. Et là, je constate que ça va faire bientôt 10 minutes. Non, ça fait 10 minutes qu'on tourne. Plus de 10 minutes d'ailleurs. Ouais, plus de 10 minutes. 12 minutes, je crois. Donc, on va devoir bientôt arrêter. Si vous voulez me voir continuer sur. Oh, j'aime pas, non, des respirations. Ah, avec un petit tambour. Ah, ouais, je termine. Si vous voulez. Ah non. Ça clignote. J'aime pas. Bref, si vous voulez me voir continuer cette aventure dans Maisie, dites-le moi avec un petit commentaire. Sinon, pour un autre jeu, de même, mettez-le moi en commentaire. N'hésitez pas à mettre un pouce vert et à vous abonner à ma chaîne pour continuer d'avoir des nouvelles de mes vidéos, etc. Oh non, j'aime pas. On va passer par là. Pour avoir des nouvelles de mes vidéos. Car je continuerai à faire des jeux d'horreur et du Minecraft pour le moment. Pourquoi il y a quelqu'un qui respire là? Une petite frayeur avant. D'accord, une petite frayeur, ça veut dire un cul-de-sac. Dégoûte. Bon, je vais devoir arrêter. Et merci d'avoir regardé jusqu'au bout. La petite fille qui a ses règles et le bonhomme tout nu nous aura quand même fichu une bonne petite frousse. Merci à tous et à la prochaine.